Bonjour, bon matin, bonjour de Laval, Québec. Ouais, on est rendu là. On se parle par caméra. Donc, j'aimerais dire bonjour. Moi, je peux voir combien vous êtes, mais je peux pas voir qui est en ligne. Donc, je veux dire avant à tous ceux qui vont réécouter la vidéo après. Après aujourd'hui, le 10h, samedi, le 11 avril. Cette vidéo, c'est un live, c'est un direct. Donc, c'est des gens qui ont voulu venir faire un cours de violon live avec moi. On va apprendre un reel à l'oreille, tranquillement, dans notre salon. On est confinés, on est chez nous. Donc, il n'y a pas de stress, là. Mais on ne verra pas personne à part moi. Donc, tout est fait à la bonne franquette. Et puis, c'est la première fois que je fais ça, fait que soyez pas trop exigeants avec moi. Puis, vous allez pouvoir vous repratiquer après ça, bien sûr. Là, je vois les commentaires passer. Comment je fais pour les relire? Attends un petit peu. Je suis pas capable de les relire. Bon, ça c'est... Bon, Annie est là! Bonjour! Ouais, va falloir que je trouve une manière de pouvoir aller lire vos commentaires, là. Donc, c'est ça. Le reel qu'on va apprendre, c'est celui que je viens de jouer en ouverture. C'est peut-être pas tout le monde qui l'a entendu, mais de toute façon, vous allez pouvoir le pratiquer tranquillement avec moi aujourd'hui. C'est le reel, je sais pas si je le dis comme il faut, mais vous allez pouvoir le voir le titre après ça, écrit, comment qui s'écrit dans la vidéo en rediffusion. C'est le reel Saint-Joachim. Un coucou de France! Bonjour Catherine! Et oui, c'est drôle, je suis contente de voir que ma musique est rendue en France tranquillement. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ben bonjour! Donc oui, c'est une première pour moi aussi. Donc c'est sûr que ça va être important d'avoir un... Allô Micheline! Donc d'avoir une petite base pour être capable de suivre un peu aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas capable de bien suivre... C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est au même niveau, donc chacun chez soi, vous allez pouvoir repratiquer. C'est le reel Saint-Joachim. Je sais pas si on dit Saint-Joachim ou Saint-Joachim. Donc, voilà, une autre Française. Bonjour Catherine de Brisson, enchantée. Hey, on est quand même à, on va dire, 40 personnes. Je suis contente. Donc, ce que je vais faire, c'est habituellement dans un reel ou un rigodon, comme on appelle, il y a deux parties. La partie A et la partie B. Ça va arriver que dans certains reels, il va y avoir une troisième partie, une quatrième, mais c'est plutôt rare. Habituellement, c'est des deux parties. Bonjour Annie! Donc, vous avez votre violon. Hey, j'espère que vous avez accordé votre violon avant de vous brancher. Ça serait la première chose à faire. Bonjour! Et puis, à la fin du cours, il va y avoir une période de questions. Ça va être important d'attendre la période de questions parce que sinon, je ne verrai pas vos questions passer automatiquement quand je vous parle. Donc, à la période de questions, vous allez pouvoir me poser quelques questions si vous avez des questions par rapport au violon ou à l'apprentissage de la pièce qu'on va avoir fait. Fait qu'un reel, c'est fait en deux parties. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper en phrases, étant donné que quand je donne des cours privés, c'est plus facile pour moi d'y aller note à note, d'aller peaufiner, d'aller travailler les petits endroits qui sont plus difficiles. Mais aujourd'hui, je vais vraiment venir décortiquer la partie A, exemple, avec vous pour que vous puissiez vraiment me suivre là, tranquillement avec votre violon. Mais on va commencer par s'accorder. Moi, je me suis accordée tantôt. Je vais te montrer l'accordeur que j'utilise. Donc, je l'aime beaucoup. Allô! Allô, Margaret! Je ne sais pas si je dis bien votre nom, Margaret. Je suis contente de vous voir. Hein. Je sais que peut-être que l'harmonica, vous allez pouvoir essayer de jouer avec nous un petit peu aujourd'hui. Donc, voilà l'accordeur que j'utilise. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le la de mon violon, juste pour être sûr que vous êtes accordé, parce que si vous n'êtes pas accordé, ben vous allez chercher pour rien des notes. Là. Donc, le la, tu prends ton violon, puis fais juste comparer ton la au mien. C'est la deuxième corde. On va aller faire le ré. Le sol. Je finis par la petite corde.
J'en profite pour te mentionner que j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube qui explique vraiment comment je montre à mes élèves à s'accorder à la maison, parce que c'est toujours une difficulté pour tout le monde. Donc, prends le temps d'aller sur YouTube, écouter la vidéo, puis de te pratiquer, puis tu devrais devenir meilleur. Donc, je vais te jouer la partie A du reel Saint-Joachin. Je vais la jouer plusieurs fois. Habituellement, le reel, la partie A est jouée deux fois, mais moi, je vais la jouer plusieurs fois pour te la mettre dans l'oreille, parce que c'est dur d'apprendre une pièce quand on ne l'a pas dans l'oreille. Donc, je vais te la faire si tu veux l'essayer. Mais t'es peut-être mieux d'attendre que je la joue au ralenti pour aller vraiment chercher les bonnes notes. Essayez-vous. Et c'est parti tranquillement. Je fais la partie A quelques fois. De la turlutter en même temps, t'es pas obligé de bien chanter, juste des la 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 pour voir si t'as bien l'air dans la tête. La 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 la. C'est pas un concours de chant. Non. Si t'es pas capable de la turlutter, pas de la turlutter en jouant, de la turlutter en l'écoutant, puis après ça, de la turlutter sans la musique, d'être capable d'avoir dans la tête. Donc, si tu la turlutes bien, tu vas être capable après ça de la jouer plus facilement sur ton violon. Tu peux t'essayer avant sans turlutter, là. On peut y arriver quand même, mais c'est juste un truc. Moi, je suis là pour donner des trucs. Donc, je vais aller découper la partie A maintenant. Je vais jouer, comme je disais, il y a la partie A, c'est comme une grande phrase. Mais là, je vais aller découper un petit morceau de cette phrase qu'on va appeler une parcelle de phrase. Tiens. Fait que, prends ton violon. Fait que, je vais te donner la première note. Okay? Tu peux m'écrire, là, me dire si tu suis bien jusqu'à maintenant. Comme je dis, on a des gens de tous les niveaux. Donc, c'est bon. Fait qu'on y va, on commence avec un troisième doigt. Trois doigts. Le troisième doigt sur la corde de la. Ou un ré pour ceux qui savent lire la musique. Ça va bien, Micheline? On suit bien? Juste m'écrire si ça va bien, si ça va trop vite. Merci, Valérie. Fait qu'on commence trois doigts sur la corde de la. Je te joue la parcelle de phrase numéro 1. C'est juste la première parcelle. On va l'appeler la parcelle 1 de la partie A. Une autre fois. Tu peux me marquer peut-être un petit bonhomme. Est-ce que tu as réussi à trouver ces notes-là? Donc, on a commencé avec un troisième doigt sur la corde là. Puis, la fin de ce petit bout-là, c'est le premier doigt sur la corde de Ré. Donc, je vais l'essayer comme ça. Regarde bien mes doigts. Donc, j'ai un petit bonhomme. Sylvie, allô, je vois pas. C'est quoi ce bonhomme? C'est trop petit. J'imagine que c'est un cheval. Hey, c'est-tu correct? Bon, ça suit bien. Fait que là, je vais te rejouer le premier segment. Le premier segment, puis je vais ajouter le segment numéro 2. Je pars du début. C'est bon. Cool.
Allô, ça va bien aller? Ouais, on va y aller. Moi, j'y vais. Je sais pas vous autres, mais moi, j'y vais une seconde à la fois, une heure à la fois. Puis, je pense qu'il y a juste ça à faire. Puis, faire du violon. Yeah! Fait que les deux segments, segment 1, segment 2. Segment 2. Deux doigts sur la corde de la. Wow, je me suis trompée. On recommence au début. Faire deux choses en même temps. Deux doigts. Allô, Louisette. Est-ce que ça va bien? C'est pas trop rapide, mon affaire? Donc, segment 1, segment 2. Je refais ça une autre fois. On est toujours dans la partie A. Sur la corde de la. Deux doigts sur la corde de ré. Ouais, Carl, est-ce que tu suis bien? Je t'ai jamais entendu jouer du violon, mais je t'ai vu giguer jouer de l'harmonica. Donc, oui, désolé, j'essaie de suivre les commentaires. Je vais me faire un setup, là, tranquillement, pas vite, je vais devenir meilleur. Donc voilà, segment 1, segment 2, puis je vais ajouter le segment 3. Mystère. Deux doigts sur la corde de la. Deux doigts sur la corde de ré. S'est-il passé avec le segment 3? Je reprendrai les notes et les écrits sur partition, ce serait plus simple. Ouais, ben Thomas, on se connaît pas, mais le but de pratiquer l'oreille, je sais que c'est difficile pour les gens qui apprennent surtout à la note, mais moi je suis quelqu'un qui joue à la note et qui joue à l'oreille. Donc c'est sûr qu'un jour tout ça fait des liens ensemble. Si tu commences à développer ton oreille, tranquillement, pas vite, tu vas pouvoir peut-être aller écrire, quand tu entends des chansons que t'aimes ou des reels, aller écrire des partitions. Donc, je sais que c'est difficile. Autant pour ceux qui jouent toujours à l'oreille d'apprendre à lire la musique, mais tout ça se fait. Il faut juste avoir de la volonté puis se mettre à l'ouvrage. Excusez mes belles faces, là. Donc, c'est sûr que peut-être que je donnerai la partition, mais j'aimerais vraiment que vous essayez à l'oreille avant. C'est de là l'exercice qu'on est là aujourd'hui. C'est pour développer notre oreille, développer notre sens de la mémoire auditive. J'en connais aussi Annie, Micheline, Louisette. Tu sais, je sais que vous aimez ça avoir des partitions, mais justement, moi, je vous amène à relever des défis, à vous dépasser. Puis là, c'est d'apprendre à vous dépasser en utilisant un autre outil de la musique traditionnelle qui est vraiment la transmission orale. Donc, d'utiliser nos oreilles et de les développer. C'est bon, parfait, mais en tout cas, essaye de relever le défi, puis on verra par la suite là, pour la partition, mais c'est sûr que je comprends votre point de vue. Mais de relever des défis, on s'en sort toujours vainqueur après ça. Fait que le segment 3, pour ceux qui ont remarqué, il était pareil que le segment 1. Donc, je refais encore la partie A, segment 1, 2, 3. Puis pour la vitesse, juste me dire, là, moi je vais y aller à cette vitesse-là. Puis si ça vous convient, on va continuer comme ça. Donc on commence du début. Ouais, c'est bon, hein? Faut commencer à quelque part, c'est sûr. Moi aussi, c'est ma première fois que je fais une vidéo, un cours de violon live sur YouTube. Donc, hein? On sait juste. Fait qu'on est parti du début. Sur la corde de la. Deux doigts sur la corde de ré. Trois doigts sur la. Deux doigts sur la corde de la.
Donc, j'ai ajouté la fin de la partie A, qu'on va appeler le segment numéro 4. Je vais te faire juste ce segment-là, le segment numéro 4, vu qu'il est un petit peu différent des autres. On commence avec deux doigts sur la corde de La. Je te le fais de plus proche. Deux doigts sur la corde de La, le segment numéro 4. On est encore vivant. Je sais pas. Hey, j'aimerais tellement ça vous voir dans votre chez vous en train d'essayer de me suivre puis de faire l'expérience avec moi. Je sais pas, tantôt, je vous invite à vous prendre en photo avec votre violon comme ça. Puis si ça vous le dit, de me l'envoyer par Messenger sur Facebook. J'aimerais ça voir ceux qui ont participé au cours ou du moins qui ont essayé, ceux qui ont réussi, peu importe. Juste me dire. M'envoyer une petite photo, ce serait le fun. Hein? Moi, j'ai plus grand-chose, j'ai plus de spectacle. Fait que quand vous m'envoyez des petites choses, des petits coucous, ça me fait toujours vraiment chaud au cœur. Vous savez même pas comment. Donc, je fais... Hey, café! Regarde! Moi aussi, j'ai mon café. Hein? Vu que c'est samedi, j'ai le droit de me gorger de café. Donc, je fais toute la partie A tranquillement. On est prêts! Michel m'a dit que j'avais le droit de boire du café. C'est super. Hey, je veux juste vous dire, souvent quand vous achetez, si vous achetez des partitions, vous trouvez des partitions sur Internet de Reel, de Rigodon, là, de Jig, de Vals, peu importe, il y a zéro coup d'archet d'inscrit sur les feuilles. C'est pas parce qu'il faut pas faire de liaison, mais c'est juste parce que c'est trop long les écrire. Fait que souvent, ben, les gens vont vendre des cahiers, vont écrire des feuilles, puis ils vont mettre zéro liaison, ça prend moins de temps, c'est plus rapide. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des liaisons, ben peut-être aller voir, j'ai fait une vidéo là, de gamme où ce que j'explique là, c'est quoi un peu les liaisons. Aujourd'hui, je vous montre aucune liaison dans le reel Saint-Joachin, mais c'est sûr qu'idéalement, moi, quand je la joue rapidement, c'est sûr que naturellement, je vais en mettre dedans. Donc, on a fait toute la partie A. Je ne sais pas, peut-être m'écrire. Est-ce que vous avez été capable de suivre un peu la partie A? C'est peut-être pas tout le monde, là, mais ceux qui ont pas mal réussi. Regardez ce qu'on va essayer, là. Je ne sais pas, Carl, as-tu été capable? Il y a un décalage hein, quand je vous pose des questions. Des fois, c'est long avant que j'aille les réponses. Bon, Sylvie, elle a suivi. C'est bon! Bon, peut-être boire mon café, ouais. Tantôt, je vais vous donner une pause pour boire une gorgée. Là, une autre affaire, un outil que j'utilise beaucoup pour pratiquer, c'est un métronome. Ça n'a pas besoin d'être celui-là, mais un métronome, moi, ça m'accompagne toujours. Pourquoi? Parce que quand on commence un reel, ouais, bon, on est rendu à la partie 2, on va y aller tranquillement. Oui, mais on va faire ça. Le métronome va servir à y aller vraiment tranquillement puis essayer d'augmenter graduellement, pas passer d'une vitesse slow à dire « OK, go bang, je joue vite » parce que vous allez échapper des notes. Je sais que c'est difficile de jouer avec un métronome. Ah, bravo Louisette Gagnon, c'est super! Donc, je sais que c'est dur de suivre un métronome, mais vous allez y arriver, il faut juste persévérer. C'est bon, le tempo, ça aise beaucoup. Je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que ça va ou genre ça va pas, là? Thomas?
On va l'essayer. Moi, j'avais pris une vitesse tantôt. On va laisser peut-être un petit peu moins vite, là. Je vais vous accompagner au piano. OK? Prends ton violon. Pas le temps de boire une gorgée de café. Ça fait drôle de ne pas vous entendre. C'est bon, oui, on va mettre le métronome. Là, j'ai choisi un tempo de 60. C'est sûr que ça va aller plus vite. Mais là, je vais faire la partie A plusieurs fois, mais avec le piano, c'est toi qui joues le violon. Puis je vais te faire la mélodie avec ma main droite aussi, là, inquiète-toi pas. Ouais, c'est à mon tour de vous écouter. Vous êtes prêts? Tout le monde en place? 1, 2, 3, 4! Réussi à suivre un peu. Hey, j'ai eu une idée tantôt, parce que des idées, j'en ai tout le temps, oui, mais c'est pas tout le temps des bonnes. Des fois, c'est de les mettre à l'œuvre. Je me suis dit peut-être que je pourrais enregistrer un accompagnement s'il y a des gens qui sont intéressés. C'est sûr, j'en ai juste deux, trois. Écoutez, moi, il faut répandre la bonne nouvelle. Présentement, tout le monde a besoin de tout le monde. Puis comment vous pouvez m'aider, c'est de partager mes vidéos puis mon travail que je fais. Dans le fond, si je fais un accompagnement comme ça, puis que vous pouvez vous pratiquer chez vous, mais je pensais le mettre sur YouTube. Fait que là, après ça, vous pouvez aller sur YouTube, l'écouter, puis vous pouvez le partager aussi à ceux qui veulent jouer en même temps. Oui, c'est une bonne idée. Je vais travailler là-dessus. Puis si l'expérience, vous aimez ça aujourd'hui, ça se pourrait qu'il y ait d'autres ateliers comme ça à distance. Sur d'autres sujets aussi, si vous pouvez me les mettre en commentaire, mais ça pourrait être des reels comme ça à l'oreille, mais j'ai d'autres idées aussi par rapport à l'instrument en tant que tel. Là. Bon, on fait ça une dernière fois, puis après ça, on est prêt pour la deuxième partie. La deuxième partie est un petit peu plus difficile, mais... ouais, c'est bon. On fait ça une autre fois du début? Et après ça, on va aller faire la partie B. 3, 4... J'espère que vous avez du plaisir. Là. Moi, ça fait drôle de ne pas vous entendre, mais au moins que vous m'écrivez, c'est le fun de vous lire. Donc, ça, c'est pour la partie A. Donc, essayez pas d'aller vite d'un coup sec. Comme je vous dis, c'est une mauvaise idée. Vous allez perdre la précision, vous allez perdre des notes. Vous allez même pas vous en rendre compte. Vous allez tellement être focussé sur la vitesse. Tu sais, quand tu apprends une toune, il y a beaucoup de choses à réussir avant de pouvoir aller sur la scène jouer la toune. Mais la dernière chose à faire en bas de la liste, là, c'est de jouer rapidement. Malheureusement, les gens, on dirait qu'ils virent la liste à l'envers. Là. Fait que soyez prudents, c'est juste un conseil là, que je vous donne. Et puis, la partie B, mais juste avant la partie B, tantôt quand on a commencé le live, j'ai joué le reel à ma façon. Donc, ce qui veut dire qu'avec les années, l'expérience, tout ça, tu peux aller décorer ta toune, ajouter des doubles cordes. Oui, travailler l'oreille, la justesse, la précision, le coup d'archet, le son.
Il y a beaucoup de choses à faire avant d'aller pratiquer la rapidité. Donc, souvent, à mes élèves, ce que je vais faire, je vais leur montrer, souvent, je vais prendre une pièce qu'on connaît bien, exemple un reel. Je vais aller simplifier un petit peu le squelette, la ligne principale, pour que mes élèves puissent se pratiquer sur un reel qu'ils aiment. Puis après ça, c'est sûr que je veux leur présenter aussi la pièce, mais avec des décorations. C'est toujours le fun d'entendre que ça peut donner avec le temps quand on se pratique, les petites décorations qu'on peut aller ajouter, mais c'est pas parce que je vous demande de faire ça. C'est juste des fois, c'est le fun d'entendre qu'un squelette, on peut venir mettre des vêtements, de la dentelle, des chapeaux, des souliers à talons hauts. C'est juste le fun. Fait que là, ce que je vais faire, je vais rejouer le reel Saint-Joachim, mais avec la saveur Patricia Marcoux. Eh oui, c'est moi. Puis après ça, on va aller travailler la partie B. D'accord? Juste pour le fun. Et oublie pas, je te demande pas de me jouer ça demain matin. Là. C'est juste des petites décorations. Hein? Avant de commencer le live tantôt, juste au moment, là, il y a eu une parade qui a passé dans ma rue. Ah, c'est moi qui tape du pied si tu trop bruyais. Donc, il y a une parade de chars qui klaxonnait. J'ai dit, ouais, ils ont la même heure que moi. Oui, on tape du pied, c'est bon, on lâche pas. Fait que vous êtes prêts pour la partie B. Comme j'ai dit, la partie B est un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de changements de cordes. Donc, ça va être de vous pratiquer tranquillement à la maison. C'est beau. Hey, suis Sylvie, là. Suis, là. Sylvie est recherchée dans la ville de Saint-Ferdinand. Xavier est là aussi. Donc, la partie B. De ré. On va aller faire la partie B tranquillement, segment par segment, comme on a fait avec la partie A. Mais avant, on va donc mettre un pouce, tu sais, un pouce là. Ben, pèse dessus. Tu sais, on est 46, il y a 13 pouces. Excusez, j'utilise mon humour. Bon, on a été à une gorgée de café. C'est l'heure de la gorgée. Donc, ouais! T'as eu peur, Valérie? Ben non, t'as eu peur de quoi? C'est bon! Youhou! Ok, la partie B! Je vais m'approcher. Le premier segment. Deux doigts sur la corde de ré. Une autre fois. Ah, Marion Landry, allô!
Oh, il va une autre fois le premier segment. Une autre fois. Une autre fois, puis après ça, on va aller faire le segment 2. Juste le deuxième segment. On va commencer avec un doigt sur la corde de ré. La même chose, le segment 2, on commence avec un doigt sur la corde de ré. Partie B, segment 1 et 2. On commence avec deux doigts sur la corde de ré. La même chose une autre fois, segment 1 et 2. J'ai oublié de te dire, regarde mon habit. C'est beau, hein? Je t'habille en panier bleu. Et oui, parce qu'au Québec, on nous dit qu'on essaie de motiver les gens à acheter local, encourager les achats locaux de tous les produits ou les jardins, peu importe. Mais là, je me suis dit, est-ce que les gens vont faire la même chose pour la musique? T'sais, parce qu'on consomme beaucoup de musique de partout. Mais c'est ça, local. Fait que j'ai dit, je vais m'habiller en panier bleu. Fait que voilà pourquoi je suis habillée en bleu. Donc, si vous voulez m'encourager, c'est sûr que la plus belle chose que vous pouvez faire, et je vais prendre une petite pause, là, j'ai mal, ça fait longtemps que je n'ai pas joué de violon. Si tu veux m'encourager, tu vas sur Facebook, tu vas sur ma page Patricia Marcoux, c'est moi. Et là, j'ai un beau dessin. Tu vois, là, ça, c'est moi, une petite fille de très loin, qui est ben, trois petites filles qui m'ont dessiné. Et puis, ça m'a vraiment touchée. Donc, j'ai mis le dessin en photo de profil parce que... Bon, on me dit qu'on se concentre sur la première partie. C'est ça que je pensais. Deux parties, je trouvais ça trop pour aujourd'hui. Mais de toute façon, vous allez pouvoir continuer plus tard, hein. Vous allez sur ma page, puis vous allez voir, j'ai beaucoup de vidéos de fait. Prenez le temps d'aller écouter qu'est-ce que j'ai fait, mettons, depuis le mois de janvier. Puis si ça vous tente de partager une vidéo, quelque chose qui vous inspire, le partager sur votre page à vous. Vous pouvez me taguer aussi, mais je pense que ça serait une façon d'encourager le panier bleu des musiciens. Et moi, ça, c'est vraiment une façon de me faire connaître, partager mes vidéos, qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, la partie A, hein, c'est ça que je pensais que ça serait assez. Mais là, je vais finir la partie B quand même, c'est sûr ça va être plus, je vais m'être moins attardée là-dessus, mais retourner l'écouter plus tard. Puis il va y avoir, dans quelques minutes, on va faire une période de questions. Si vous avez des questions que vous avez le goût de me poser par rapport au violon, à votre façon de jouer ou peu importe, je vais prendre le temps de répondre. Si vous n'êtes plus là, ben ce sera pour une autre fois. Donc, je vais finir la partie B, puis vous la repratiquerez plus tard si vous n'êtes pas capable de suivre. Donc, la partie B.
je suis d'accord avec vous tous. C'est sûr que c'est juste parce qu'il y en a qui vont... tu sais, on n'est pas tous au même niveau, mais en tant que prof, je trouvais que c'était plus sage de faire juste la partie A. Mais je me suis laissée influencer par ceux qui vont un petit peu plus vite puis qui avaient le goût d'aller dans la B. Mais de toute façon, vous allez pouvoir vous amuser. Je pense qu'on va vraiment faire la période de questions. Oui, je sais, Micheline, c'est ça, mais chacun a son niveau. Mais en tant que professeur, le professeur a parlé... Partie A, on a assez pour aujourd'hui. On a quand même travaillé la partie B, mais là, on va faire la période de questions. Donc, si vous avez des questions... Allô, Michel, j'espère que tu n'arrives pas parce que le cours est quasiment terminé. Oui, tu as réussi à m'écrire, c'est bon. Ah, mon petit doigt qui ne repose pas sur mon archet. Oui, c'est sûr qu'on apprend la technique... comme ça, puis j'ai justement fait une vidéo sur YouTube qui enseigne la position des doigts. C'est juste que quand on joue le folklore, il y a beaucoup le poignet qui va bouger, puis à un moment donné, ben, c'est comme si le petit doigt... c'est sûr, essayez de poser votre petit doigt, mais à un moment donné, quand on joue de la musique traditionnelle, c'est comme si c'était moins grave que dans la musique classique. Le petit doigt, à un moment donné, on dirait qu'il a le goût de danser, donc c'est pas une très grosse erreur s'il se lève puis il sort de pause, là. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Je vais regarder, je m'étais mis... N'oubliez pas de m'envoyer une photo de vous avec votre violon. Ceux qui ont suivi le cours aujourd'hui, en réalité, on serait à peu près 40 personnes. J'aurais avoir 40 photos dans mon Messenger de vous avec votre violon. Ce serait vraiment... ça me ferait plaisir. Ça serait ma paye parce que je fais vraiment ça gratuitement, là. Fait que vous pouvez me faire plaisir. Oui, la tenue de l'archet, c'est super important, Thomas. Continue comme ça. Puis si un jour, tu persévères, puis que comme moi, un jour, il lève, ben c'est pas une grosse contravention. Mais respecte la tenue que tu es en train d'apprendre. C'est super important. Pareil pour la main gauche, puis la tenue de l'archet. Donc, je vais juste regarder. Moi, je m'étais fait une feuille avec des notes. Ben, ça ressemble à ça. On n'a pas d'autres questions? On a Thomas qui a posé des questions. S'il va y avoir d'autres formations... Ben, ça va vite. Faudrait quasiment que je prenne des photos. Ah! Quelqu'un me demande si on peut refaire avec le piano. Oui, ça serait une bonne façon de terminer le cours. Donc, on va refaire ça au complet. Pour ceux qui ont le goût de s'essayer avec le piano, puis après ça va être terminé. On me demandait pourquoi... Merci Sylvie. On me demandait pourquoi je mettais deux doigts. Si j'ai vu une question passer, je ne sais pas si je l'ai bien lue, là. En fait, moi, j'enseigne vraiment à mes élèves, quand on a un deuxième doigt à jouer, à mettre les deux doigts. Avec le temps, vous allez être gagnant dans la justesse. Les gens qui font juste déposer un doigt comme ça, ça va être plus long dans le temps avant qu'ils apprennent à jouer juste. Fait que moi, mes élèves, je leur demande vraiment, posez vos doigts. Hein, Michel, elle sait, il faut mettre les deux doigts. On a un deux doigts, ça change pas la note, ça change pas le son, mais vous allez gagner en justesse et précision avec les années. C'est pas une anticipation, c'est vraiment juste pour la position, mais c'est sûr que, c'est comme mes élèves, je leur demande de poser leurs doigts, ça peut durer... quelques années, puis quand ils sont plus avancés, puis là, je vais leur montrer le vibrato. Là, il y a une nouvelle technique qui va rentrer en ligne de compte. Mais vraiment, les premières années, on garde les doigts. C'est pas pour anticiper vraiment. C'est pas un jeu de doigts, là. C'est vraiment pour plus avoir une main solide et juste. Je pense que j'ai répondu aux questions que j'ai vues. Donc, oui, Micheline m'a demandé si elle allait avoir d'autres ateliers. Moi, ça va me faire plaisir de faire d'autres ateliers. Ça me tient envie d'avoir des projets. Puis de voir aussi que vous êtes intéressés. Moi, s'il y a deux personnes qui suivent les formations, donc parlez-en. Si jamais je donne une autre formation, parlez-en aux gens que vous connaissez. Ça ne coûte rien. Tu as juste à te brancher sur YouTube. Ouais, mais je ne sais pas comment faire m'abonner. Oui, mais c'est pas compliqué. Il faut juste prendre un petit 5 minutes. C'est nouveau. Les gens connaissent moins peut-être YouTube, là. Super! Fait que merci beaucoup. Puis n'oubliez pas une photo sur Messenger de vous avec votre violon. Puis si vous voulez m'aider, le panier bleu, allez partager sur votre page Facebook. Allez voir ma page Facebook, regardez mes vidéos. Puis partagez une de mes vidéos que j'ai faites sur votre page. Taguez-moi.
Vraiment, ça va faire toute la différence. Super! On finit ça avec le piano. Oui, ben merci Mario, un très bon violoniste. Je m'ennuie de la petite salle d'Inverness. Oui, puis si vous voulez m'écrire des propositions de pièces aussi, c'est une bonne idée. Vous pouvez continuer d'écrire. Oui, Marguerite, bisous à tout le monde. Des commentaires ou des idées de formation que vous aimeriez faire. Moi, j'aimerais ça en faire une. En fait, je vais vous le dire. J'aimerais ça faire une formation sur le vibrato. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on n'est pas rendu là, mais ça pourra vous servir pour plus tard. Donc, ça pourra peut-être être une prochaine formation, mais c'est sûr que la musique traditionnelle du Québec, j'aime ça beaucoup. Donc, il va sûrement avoir d'autres apprentissages de reel. Donc, on y va du début. Oui, on y va du début. On fait ça au complet avec le piano. Donc, on prend notre violon. Et c'est parti! 1, 2, 3, 4! Merci aux gens du Québec et à ceux de France aussi. Ça me fait chaud au cœur que vous m'accompagnez dans mes projets. Puis de voir que ça peut vous motiver un petit peu à garder le cap. Hein. Oui, on est toutes mêlées. On dirait qu'on a toutes sortes d'émotions. Mais de savoir qu'on a encore notre violon, la musique, puis des amis qui nous suivent avec leur violon, me semble que ça rend la musique... ça ajoute un bond. Ben, bonne journée! Bye bye! Wesh! Je sais pas où baiser. Bye bye bye, bonne journée.